Nous sommes sur la commune de Saint-Clément, au domaine de Trépalou. Alors, c'est un domaine que j'ai repris il y a 20 ans. Nous sommes dans un secteur de collines très boisées, avec une falaise calcaire du secondaire. Et les terrains sont sur des éboulis calcaires et des argiles rouges. Ce sont des sols très drainants. Sur ces terrains, vraiment, on produit des vins de très grande qualité. C'est un endroit magnifique. C'est extrêmement calme. On est au milieu de la garrigue. On propose régulièrement en été, tous les mardis soirs, des visites de groupe où on passe une heure et demie sur ces terroirs. Ça permet de présenter les terrains, les cépages qu'on y cultive, la façon dont on les travaille. Nous travaillons en agriculture biologique depuis 13 ans sur le domaine. Et on recherche, c'est vrai, une certaine pureté dans les vins. Et l'agriculture biologique est un moyen pour aller vers cette finesse et cette pureté dans les vins. On fait des partenariats avec des artistes locaux. On leur a demandé de nous créer des étiquettes. On leur a donné carte blanche pour la création d'étiquettes. Ça a bien renouvelé le visuel de nos vins. Et ensuite, on leur propose de venir faire un accrochage de leurs œuvres au caveau. On demande à des musiciens également de venir. Et c'est un moment très convivial. C'est vraiment une chance de travailler en Languedoc. C'est extrêmement varié, on a une palette de cépages très intéressants à cultiver. On a une climatologie qui est favorable aussi à l'agriculture biologique. Et on travaille dans un environnement et dans des paysages qui sont tout simplement magnifiques.